Bonjour tout le monde, bienvenue sous Palmi, ça m'a pour la caille. En fait, nous portons pour, eh bien, et ça nous a un milestone. En fait, c'est pour la première fois, après plus de 110 ans dans l'histoire aviation, en dit aviation au niveau de Navy, eh bien, Vingé, ça nous a les premières femmes noires qui graduent, qui recevoir Wingsley. Jodi a comme premier femme noire dans Sanitary les Tactical Aircraft Pilot non lycée Madeleine Swigley d'y recevoir eh bien médaille vendredi qui s'est passé là donc il marqué Sanitary les yon milestone dans aviation navale pas bon ici aux États-Unis. Non li c'est Madeleine Swigley et donc officiellement yo nomme il comme aviateur au niveau de naval et il recevoir ça n'tarelé et bien ça n'tarelé yo relé ça Wings Gold Naval, c'est comme si zèle, vous comprenez, zèle en or et avec 25 classmate qui était avec dans la cérémonie ça qui était faite Texas. L'étape expliquée qui gens que l'était excited pour lui et joindre opportunité ça même dit c'était fun mais c'est tout c'était difficile tout l'était gain pour le travail très dur parce que yo évaluer ça dans les performances li ou la fly dans jet aircraft yo dans fleet yo et donc il dit et il tape content si t'es gon moun qui t'a fait ça avant lui donc depuis c'est lui-même ça fait le plaisir quand même. Il dit c'est pas intentionnel pour te venir premier moun qui t'est entré dans secteur ça. Il espérait que ça a encouragé l'autre moun justement entrer dans secteur naval pour venir en aircraft pilot. Donc nous pensons que son milestone même Jean Pabo ici de temps en temps gagne communauté noire là. Même j'en étais premier, nous étions premier président noir. Donc, c'est chaque fois ça fait, c'est justement très bien qui montrait que une fois de plus que pas gagné en question de couleur. Donc, il s'agit de performance ou et que pas gagné limite quelque part. Bon, c'est que chaque fois que gagné un noir qui franchit des étapes que l'autre monde pas fait avant eux. Dit tout simplement envoie un message pour chaque derrière pour dire que nous capables faire rêve nous qu'arriver n'importe côté que nous voulons signifie qu'une bataille et surtout c'est pas seulement noir mais c'est noir là c'est mais le fait qu'ils sont femmes encore qui fait eh bien réalisation ça l'été complète et ça nous a les derniers strike training ni depuis le 7 juillet. Et donc, il y a plusieurs types de airplanes, tant que FE-18, F-35C, donc un ensemble de différents types d'avions de guerre que l'I justement conduit avec toute performance. Et il fait comprendre que Swigley montrait que l'I très courageux et commandant force à féliciter. L'I fait partie des groupes sélectionnés. Justement, qui te joignent chance ça. Yo t'a expliqué tout, diversité qui vient gagner dans le groupe Sanitary les aircraft pilot là, avec différents backgrounds, différentes aptitudes, différentes pensées, vient faire que l'équipe là vient beaucoup plus solide et dans diversité ça. Donc, nous pensons que c'est justement une occasion en or. Ou communauté noire là et maintenant yo parle tout dans minorité à travers l'US Navy yo profite rappeler nos noms Rosemary Mariner qui était venue premier femelle qui était pilote en 1974 OK qui était pilote en 1974 et Brenda Robinson tout premier femme noire qui était venue Navy Fly Instructor elle dit premier Navy Fly Instructor en 1914 évaluateur VIP transport en 1980 et suivant non-profit organization. Et donc,
nous pensons que Swigley dans vidéo qui sorti à travers maintenant il dit que l'état américain pour tout le monde croit dans tête qui est capable accomplir quel que soit ça yo vle. Et il était gradué et dans US Naval Academy en 2017 et il complété ça dans les initial premier flight screening ni dans Pensacola. Il complété primary flight training ni dans Corpus Christi et il finit advanced flight training ni dans Naskenville. Donc il fait un ensemble de bagay. Donc présentement Libral gain pour le travail reporté dans Electronic Attack Squadron 129 OK qui trouvé li dans Washington. Et donc voilà, nous même nous te voulons justement parler de dame ça justement qui fait preuve li yo t'a interviewé tout côté que li t'a justement expliqué et côté que li t'a expliqué bien ça passé a et dans moment li t'a dit que effectivement c'est pas facile mais il te travaille dur pour être capable franchir étape ça et li souhaiter que eh bien ça qui derrière yo apprend ça pour leçon et nous ka fort tande voice côté que là ou t'a parlé avec lui. After years of preparation, Lieutenant Madeline Swagel is living her dream, soaring through barriers. Yeah, I just love the fast planes. She's the first black female fighter pilot in the nearly 110-year history of naval aviation. Like feeling the exhilaration and getting thrown back in the seat a little bit, that was awesome. On Friday, Lieutenant Swagel got her wings of gold. She aimed high early, inspired by her parents. And they told me that I could be whatever I wanted to be. And what she wanted to be was what she saw. We would go see the Blue Angels when they were in town. I don't remember specifically how old I was, but they were just so cool. I love them. It's rare to see black Navy pilots. In fact, only 1.9% of Navy aircraft fighting unit pilots are black. This summer, a special task force was created to address the issues of racism and sexism. We must work to identify and eliminate individual and systemic racism within our force. I'm sorry to see that it has taken so long to have more black women. 40 years ago, Brenda Robinson was the first black woman Navy pilot. What do you say to the naysayers who say, well, they made it easier for you, and now they've really made it easier for Lieutenant Swagel? I was already flying airplanes before I got into the Navy. And the only reason why I was able to get there and my credentials far outweighed any of the other guys that I was with. I wish that we were saying, oh yeah, well, you know, just as another black woman who's flying airplanes and she's a fighter pilot. One retired Top Gun instructor says Lieutenant Swagel, a Naval Academy graduate, deserves her wings. They're not handed out. You have to earn them. Certainly have to have the smarts to be able to be a tactical aviator. Awesome, too, for a woman who had never even been in an airplane before she joined the Navy. I think that representation is important because we are a very diverse nation. So I would like everyone to believe that they can achieve whatever they want to do. Now, top of her field, flying high into history. Rahima Ellis, NBC News, New York. Donc voilà, nous capables ouais histoire pour ça de justement eh bien Tidam ça qui justement bat un véritable record effectivement dans domaine ça. Donc nous pensons que c'est à encourager, c'est des modèles à suivre. Nous t'a souhaité que génération qui va venir inspirée de ça pour yo aller à l'encontre de et review. Donc nous déposer update ça pour vous. Pas oublier toujours être connecté avec nous. Les toutes dernières informations nous toujours partager avec vous. C'était un plaisir.